sur pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer le plugin de ChatState vu que ça vous avait beaucoup plu. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup, c'est la commande pour pouvoir choisir si le chat est mute ou pas. Donc, on va pas la créer dans la plate trace principale parce que ça, sinon ça va gêner. On va juste la rajouter dans le plugin. J'ai dû la rajouter parce que j'ai fait un test l'autre jour. Donc vous mettez slash commande, commande, on va le faire ensemble. Commande, 1, 2, 3, 4, chats, deux petits points, voilà, on sauvegarde. Ensuite on va faire get commande. Point. On va mettre le nom de la commande, elle s'appelle chat. C'est minuscule. Oh, trop vite. Point set executor. Nous on va créer dans une chat state commande, hop, on reste dessus, create class, on va l'appeler commande avec un F. Ici si vous avez une erreur dans le main, il suffit juste de venir sauvegarder, quand ça s'actualise des fois non. Là, pourquoi tu fais ça? Voilà, ici on va mettre Thunder, désolé pour le bruit encore une fois. Et voilà. Attendez, je reviens. Et voilà, je suis de retour. Ici, on va mettre pas message, je vais mettre label. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, args. Sur les commandes avec des arguments ou les commandes des deux. Et là, je me suis trompée, on va les mettre commandes. Donc voilà, ici on va faire if sender instance of player, donc on vérifie si celui qui a envoyé la commande est un joueur, on importe, contrôle maj o. Ici on va faire player p entre parenthèses player sender, on déclare le player. On va vérifier si il est op. Et s'il n'est pas OP malheureusement, mettre else p.send message. Hop, voilà. Chat color point red. Plus. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui on aura fait le slash mute, donc ça c'est pour mute le chat, donc j'ai pas mis de temps parce que ça c'est long mais c'est déjà bien. On a fait ça, oui c'est le stop chat, le slash mute, faudrait que je fasse une série là-dessus, mais j'ai beaucoup de choses à faire aussi. On fera le slow mode sûrement une autre fois, et puis voilà. Donc déjà on fait ça, on va faire args.len. Attendez deux secondes. Voilà. Encore une fois. Là, si la longueur de l'argument est égale à 0. Oula. Ça. Apparemment, il faut que je mette. Voilà. On va faire p.send message. On va envoyer un message au joueur. Non, par contre là j'ai pris le mauvais. Il faut prendre le chat color de org.bucket. Oh, par contre ça c'est pas censé faire ça. Ouais, chat. Alors je vais l'enlever de mes imports. Voilà. D'ailleurs elle est même pas importée, et du coup là si on va dessus prendre oui org.bucket et après on a plus de problème. Ah mince, j'ai supprimé n'importe. Voilà, donc on choisit bien org.bucket. Point, on va mettre en green, en petit vert, slash chat. On aurait pu mettre en rouge mais j'ai envie de changer en vert. Et on a mute. Je crois que c'était ça qu'on avait fait dans nos statuts. Voilà. Et du coup c'est bon. Ensuite if args.
en length, si à la longueur de l'arc. En gros, s'il y a plusieurs arguments, il n'y en a pas qu'un. On va faire if args, donc on va vérifier l'argument. Je mets 0 parce qu'en fait, c'est comme si on commençait à 0 ici, dès qu'on met ça. Equals in your case. Donc si il est en mute, on va faire chat state.mute. Ou attendez, on va vérifier autre chose. On va vérifier autre chose pour faire vraiment un truc approfondi. On va faire if chat, pardon, chat state. Ah voilà, voilà ce qui est logué. On vérifie si le statut du chat est égal à muté. Donc si en gros le statut du chat est muté, on va envoyer un message au joueur. Et on send message chat color. Déjà, donc on lui dit qu'en gros c'est il est déjà désactivé. Donc il est déjà désactivé. Ou sinon, on fait le else correctement. On va envoyer un message au p.send message. On va dire vous venez de mettre le chat de désactiver le chat. Désactiver le chat. Hop, on va faire chat space point set state chat minute. Et on va faire une broadcast pour annoncer aux joueurs. Broadcast message le chat color point, on va mettre bleu. Le chat et on va récupérer en gros le pseudo du joueur p.getName. Et donc voilà, maintenant ça, dès que ça pourra bah voilà, on a fait notre truc. Ensuite on va revenir ici, donc else if. Donc en gros, si l'argument c'est pas mute, si c'est pas mute forcément, donc on va vérifier qu'il soit unmute. Et on va faire exactement pareil. Donc on va copier ça. Et sauf qu'on va là, on va mettre unmuted. Voilà. Ok. Déjà activé. Chat. Pourquoi il y a une erreur? Parce que là j'ai oublié le plus. Voilà. Enfin. A été activé. Et voilà. Enfin. Ah, je sais jamais, j'ai toujours un cerveau. D'accord, voilà, et là on faut qu'on vient mettre un mute.
et logiquement c'est bon. On va juste mettre encore un else. Donc si c'est pas ça ou ça comme argument, on va lui renvoyer la commande. Donc on trouve, j'exporte tout ça et puis on se retrouve sur serveur. Et donc voilà, donc vous pouvez voir le serveur ici. Vous avez le chat state ici, il y aura un petit zoom. Voilà. Faites pas attention au message qu'il y a dans le chat, etc. On va juste on pour être sûr de pas avoir de problème. On va se mettre ici. Donc c'est où je vais tourner l'ancien épisode qui est sorti il y a pas très longtemps des plugins. On va mettre slash chat déjà pour voir. On peut voir que ça nous dit mute ou unmute. Si on met n'importe quoi, ça nous propose ça. Si on fait slash chat mute, le chat a été désactivé par. Ah mince, j'ai laissé dans. En gros, dans le code, on va revenir ici. Si en fait j'ai mis le plus comme ça, en gros, faut que je fasse. Faut supprimer ça, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Je vais tout réexporter. On va reload. Et du coup, voilà. Si on recommence, on fait le chat mute, on voit que le chat a été désactivé. Je vais me DOP. Donc là, on peut pas. Voilà. On peut pas parler, on pourrait même envoyer un message de voix comme quoi le chat est désactivé. Et on va faire ça. On va faire ça après. Et si je m'OP et que je parle quoi, ça marche. Donc normalement c'est le mec qui a donné ça. Et si on fait slash chat mute encore une fois. Ça nous met que le chat est déjà désactivé, pas la peine de recommencer. On va faire slash chat unmute. Voilà, le chat a été activé par état 2005. Donc là tout le monde peut parler. Si je me déhop, on peut encore parler. Et du coup, on va se tromper. Et si on fait slash chat unmute. Le chat est déjà activé. On va juste faire un truc pour envoyer un message au joueur quand il est quand il fait quoi. Quand il fait slash. Oui, donc quand il parle alors que le chat est déjà désactivé. Donc c'était. Chat, voilà. Donc on avait mis ça où, bon, voilà, set concept truth et send message chat color point on veut mettre en aqua plus on devrait mettre en rouge parce que c'est interdit. Le chat est désactivé, c'est ça. Le chat est désactivé. Et du coup, si on exporte ça, on reload, on va se déhop. Bah non, faut que je me rompe parce qu'en fait, on peut pas changer le chat depuis la console. On va faire un chat. Donc là, si on parle, ça marche. Et qu'on déloute, et qu'on se DOP, enfin, le chat est désactivé. Et du coup, tout est bien qui finit bien. Tout est dit comme ça, je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, ça me fait très plaisir. J'essaye de reprendre les séries de développement. Donc voilà, je pense que vous avez remarqué que j'ai été actif ces temps-ci. J'en fais 2-3 séries. Donc voilà, vraiment, si vous avez des questions, mettez dans les commentaires. Et puis vraiment, mettez un like. Partagez surtout, c'est très important pour que ma chaîne se fasse connaître. Et puis voilà, c'était Geek of Gamer. Tchuss!